Bah, c'est normal puisque c'est toute ma vie qui défile. Donc je suis bien obligé. Je suis bien obligé quand je passe devant les vêtements signés Christian Dior, là-bas, que c'est le jour où j'ai rencontré Yves Saint Laurent. Et puis après, quand je vois le caban, le pantalon, c'est le jour où nous avons ouvert notre maison de couture en 1962. Puis voilà, puis tous les autres vêtements me rappellent précisément et évidemment quelque chose. Il a pressenti que les femmes allaient occuper une place égale à celle des hommes. Et il les a aidées. Il les a aidées. Lorsqu'est apparu le premier smoking, on comprend bien qu'il s'est passé quelque chose d'énorme, qui probablement est plus important rétrospectivement qu'à l'époque. On voit bien que, ce faisant, en utilisant le vêtement masculin, il a donné le pouvoir aux femmes. Il les a rendues légales des hommes, tout de suite. Mais pour autant, il leur a fait perdre aucunement ni leur féminité, ni leur séduction.